Shalom. Shalom, shalom à tout le monde. Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sorts. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. C'est cela qu'au Moyen-Âge, les Occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris 3 siècles. À partir du 15, 16, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e siècle, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leur région, dans leur village pour développer, parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche en sous-sol. Un continent pauvre mais qui est combattu par tous les autres continents. Combattu par les Amériques, combattu par l'Europe, combattu par l'Asie. Pour dire en réalité l'Afrique n'est pas pauvre. Mais c'est le spirituel de l'Afrique qui est pauvre. Et c'est cette présence de la sorcellerie qui fait qu'aujourd'hui l'Afrique ne peut pas émerger. Mais je vous assure, là où il y a la présence de la sorcellerie, il est difficile d'émerger, il est difficile d'aller de l'avant. Preuve. Quand il y a la sorcellerie, il y a la pauvreté. Ils ont détruit la sorcellerie chez eux. Ils sont rentrés pleinement dans la richesse. Il y avait ce qu'on appelait l'inquisition. Il y avait un tribunal. On jugeait tous les sorciers. On prenait toute la confrérie. On les brûlait. On les détruisait. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons mis une brigade en place. Qui est la brigade anti-sorcier. Qui est dirigée par le maréchal, le prophète Joël Crasso que je suis. Afin de pouvoir éradiquer la sorcellerie sur le sol africain. Né d'une famille musulmane, Crasso Djoro Joël Shalom, à l'état civil, a grandi loin de ses parents car ils ont rejoint l'au-delà en juillet 1993. En décembre 1998, il fait une rencontre qui va bouleverser sa vie. Le Seigneur se révèle à lui et le charge d'une mission, celle de la destruction des œuvres de la sorcellerie, d'où son surnom, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Moi, j'ai vu personnellement Jésus-Christ. C'est différent. Je suis né dans une famille musulmane. Moi, j'ai eu l'apparition de Jésus-Christ. Je l'ai vu plus de 20 fois. Voilà. C'est ce qui m'a mené à la conversion d'ailleurs. Et il m'a chargé une mission. Il dit, toi, ta mission sera la destruction des œufs de la sorcellerie. Les événements se déroulent à Zaroko, dans la sous-préfecture de Iré. Ce village est situé à 40 km de la ville de Divo, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, où les habitants ont vécu l'enfer sur terre à cause de la disparition précoce de plusieurs habitants. Un esprit maléfique, l'esprit de la sorcellerie, rôdait dans le village, détruisant et endeuillant des familles. Le village, en tout cas, vraiment, le village était... c'était pas du tout bon pour nous parce qu'il y avait trop de sorciers dans le village et tout ce qu'on faisait avec les jeunes, ça ne marchait pas. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu crois en Jésus, les miracles doivent t'accompagner. Et nous chassons les démons. La sorcellerie, c'est les esprits. Ce sont des démons, Et c'est une continuité du ministère de Jésus qui dit dans la parole, 1 Jean 3, le verset 8, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œufs du diable. C'est cela que celui qui combat le prophète Crasso est déjà déclaré comme un agent de Satan. Parce que combattre la sorcellerie, c'est d'apporter le développement dans les régions. La sorcellerie empêche. Écoutez, depuis que nous avons commencé à communiquer et démystifier la sorcellerie, beaucoup sont ceux qui sont retournés dans leur village. Beaucoup sont ceux qui ont pris goût à l'Afrique. Parce que moi, je viens de tourner européen, américain, le juste motiver nos bien-aimés à venir. Voilà, donc pour nous, la sorcellerie, c'est resté un sujet tabou.
nous avons, avec la grâce de Dieu, démystifié la sorcellerie. Et il faut dire en un mot que depuis le passage du prophète Joël Krasso, il y a eu beaucoup de changements dans celui-là ici. Et si je me souviens bien les années 2013-2014, par là, si j'ai vraiment bonne mémoire, et depuis qu'il est passé dans ce village, il faut dire, avant même son arrivée, c'était tout un blocage. Et la mort passait par là, il n'y avait pas d'eau courante et il n'y avait pas de voie pour accéder dans les autres villages comme Douaville. Mais depuis, il y a l'hôpital aussi qui a été réhabilité quand il est passé. Mais avant ça, l'hôpital a fait plus de 15 ans. Construit, fermé, pas d'infirmiers, rien. Et il allait même prier là-bas, il a même déterré un carénat mystique. Et depuis son passage, on a vu, l'hôpital a été réhabilité. On a maintenant l'eau courante, on a la voie qui est ouverte. Et vraiment, c'est la grande évolution. C'est la grande évolution depuis son passage ici à Zaroko. Même ceux qui n'arrivaient pas à construire, ils ont commencé à construire. Et vraiment, c'est une très, très grande joie pour nous. Donc nous souhaiterions toujours qu'il soit toujours présent avec nous. Le prophète, papa, il est arrivé ici. Il a fait un très grand un travail vraiment qui nous a beaucoup plu. C'est devant moi, il a déterré le canari au dispensaire. Et c'est devant nous-mêmes, ils ont creusé, ils ont fait le forage d'eau. Donc, sincèrement, son arrivée nous a beaucoup soulagé. Et ça fait qu'aujourd'hui, le village des Zaroko est chose en avant. Après avoir déterré un cadenas mystique dans ce dispensaire par le prophète Joël Krasso, que ce dispensaire a connu encore ce qu'on appelle un rétablissement. Et le bâtiment qu'on voit là, ça c'est juste le logement de l'infirmier, et juste à l'opposé se trouve encore le logement de la sage-femme. Donc l'État a décidé comme ça d'équiper le dispensaire en médicaments. Les médicaments sont déjà là, on attend que le bâtiment soit fini totalement, la peinture et les locaux soient rétablis pour qu'on vienne installer les médicaments. Après le passage du prophète Joël Krasso, les habitants du village ont retrouvé la joie de vivre. Monsieur Joël Krasso, c'est un homme qui est très bon, que Dieu utilise beaucoup et qui m'a beaucoup sauvé. Parce que j'ai été attaquée par moi-même, ma propre soeur, qui voulait me tuer mes enfants. Il m'a sauvé. Aujourd'hui, je suis un père et mes enfants. C'est un homme que Dieu utilise beaucoup. En tout cas, Joël Krasso a fait des bonnes choses dans ce village. C'est grâce à lui que j'ai su que c'est les sorciers qui m'avaient lancé cette maladie. Et il a fait beaucoup de choses. Il a permis que tous les enfants qu'ils ont initiés, on puisse savoir cela. Joël Krasso, c'est un homme qui est venu pour nous aider, pour notre village. C'est grâce à lui qu'on a eu l'eau, on a connu la prière. En tout cas, ce qu'il fait pour nous, c'est très bon. Je suis une veuve. C'est Krasso qui me soutient. Quand il vient, il nous donne rire. En tout cas, c'est grâce à lui, il m'a vu à la télévision. Parce que le moment où dansait Agua Gugnola, j'étais parmi son groupe-là. J'ai dansé aussi. Et pour ça, je le remercie. Je suis arrivé à un niveau spirituel où j'ai compris que le spirituel et le physique vont de pair. C'est-à-dire, un homme de Dieu qui ne fait pas du social a perdu beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ n'a pas fait que prêcher seulement l'évangile, mais Jésus, à un moment donné de sa vie, il a nourri quelqu'un, il a nourri des gens. C'est comme qu'il y a une personne qui vient, qui a faim, et vous demandez à cette personne, vous voulez prier pour elle. Non, elle a faim, vous donnez un billet de 1000 francs, elle aura mangé de la kéké, ça peut la délivrer. Soucieux du bien-être de son prochain, il construit un orphelinat pour les enfants défavorisés et démunis, dont l'ouverture est prévue pour très bientôt. Je suis orphelin. J'étais orphelin très tôt. D'abord la mère, après ça le père. Et donc je sais ce qu'on appelle être orphelin, c'est-à-dire manque d'affection et tout ça. Et donc moi, tout ce que j'ai vécu derrière dans l'enfance m'a mené à dire, ben, il faut que je fasse un jour l'orphelinat pour que ceux qui ont perdu leurs parents, parce qu'en réalité, quand tu perds ton père et ta mère, même si quelqu'un te prenait, il ne peut pas te donner l'affection comme si c'était ton père et ta mère. Moi, j'ai déjà vécu ça. J'ai franchement vécu ça. Donc, pour moi, c'était une vision. Mais, je demandais... voilà. Donc, j'attends. Vous savez, quand on reçoit une vision du Seigneur, on attend, il y a le temps où ça se concrétise. D'abord, quand j'étais à Zaroko,
Ça a commencé déjà, l'œuvre a commencé à partir de Zaroko. Là. Je n'ai pas commencé l'œuvre de Dieu à Zaroko, mais l'action. L'action aider les enfants va se déclencher à Zaroko. J'étais en pleine croisade à Zaroko où on commençait à évangéliser des gens, où j'avais du bruit dans le village, où les gens murmuraient parce que les enfants, 30 enfants étaient chassés de l'école. Parce que peut-être que les parents n'ont pas payé l'inscription qui revenait à 3000 francs par enfant. Et donc les soirs, je les ai réunis, je voulais savoir plus. Et non, ils n'ont pas d'argent pour scolariser les enfants. Moi, non, ça m'a choqué. Nous sommes en train de faire un combat. Les cadres sont morts. Et c'est l'école qui forme les cadres. Donc j'ai pris la peine à dire aux parents, les sensibiliser sur le droit de l'enfant. Pour dire que l'enfant a franchement droit à l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, si je lis la parole de Dieu, c'est parce que je suis allé à l'école. Si aujourd'hui, il y a eu un niveau intellectuel, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont mis à l'école. Donc l'enfant vraiment ne doit pas être privé de cette connaissance-là. Et vraiment, l'enfant a droit à l'éducation. Donc science tenante, moi j'ai payé la scolarité de les trois enfants. Parce que pour moi, un enfant, c'est un don de Dieu. Donc, et à partir de là, on a commencé maintenant la rentrée prochaine, qui suivait, on a organisé des kits scolaires. Donc on a commencé avec 200 enfants, on a distribué des kits scolaires, puis on les sensibilise, les parents. On les sensibilise pour qu'ils sachent que s'il y a une entrée scolaire cette année, il en aura l'année prochaine. Et donc cette année, au fur et à mesure, on a commencé aussi à comprendre que les enfants qu'on aidait, en réalité, il y avait aussi beaucoup d'enfants orphelins qui avaient besoin aussi d'affection, qui avaient besoin aussi d'un toit. Donc les moyens que j'avais, je me suis mis, n'est-ce pas, là, pour la construction de l'orphelinat. Et puis bon, il y a des bien-aimés aussi quand on m'a tourné aux États-Unis qui m'ont aidé à finaliser certaines choses. Donc, je ne faisais pas de ça un tapage ici à l'église, donner, non. On peut savoir le montant de la construction. Et comme j'ai dit, avec Dieu, il n'y a pas de montant. J'ai 100 000 francs, je mets. J'ai 500 000 francs, je mets. Donc, il n'y a pas de montant. Avec Dieu, il n'y a pas de montant. Voilà. Donc, c'est ce qu'on reçoit, on met. On n'a pas. C'est vrai, le maçon te dit, c'est comme ça. Tu as 100 000 francs, tu donnes. Et aujourd'hui, moi, je me prive. C'est ça. C'est ce que les gens doivent comprendre, que le prophète Crasso, il pouvait même construire sa maison. Je suis jeune. Je pouvais construire ma maison. Oui, je pouvais construire ma maison. La mère en location, construire plusieurs maisons. Mais je me prive de tout ça parce que pour moi, je suis un homme de Dieu. Il faut aider des gens. J'ai une voiture Hyundai. C'est une voiture Aurora. Ce n'est pas une voiture de luxe. Je me prive de tout ça. Je loue une maison à Abidjan. Je loue une maison à Divo. Donc, ça dit l'argent. Et puis, je suis à Divo. Je ne suis pas à Abidjan. Voilà. Donc ici, il y a plus de besoins. Les fidèles, vous voyez là, c'est des gens qui ont plus de besoins des finances. Donc ici, nous soutenons les gens. Pour dire le prophète Crasso, en réalité, l'argent que je reçois, et c'est ça que je me suis mis dans mes activités personnelles que je ne pouvais pas déballer ici parce que ce sont mes activités personnelles. C'est ça que ça m'a amené à faire mes propres affaires pour que je puisse vraiment être utile à des personnes. Donc moi, je prends mon argent. C'est pour ça que je précise très bien, l'orphelinat, ça nous a pris des millions. On ne peut pas chiffrer ça, mais c'est beaucoup de millions. Franchement, mais je pourrais prendre cet argent pour construire ma maison. Je pourrais prendre cet argent pour une voiture de luxe. Je pourrais prendre des voitures. J'aime aussi des voitures de luxe. Mais pour moi, ça n'a pas d'importance. Il faut aider les gens. Deux projets pour les jeunes de Zaroko, à savoir la plantation de gingembre et l'école d'élevage afin d'inciter ces jeunes à l'entrepreneuriat. Nous sommes présentement sur le site du projet pilote du gingembre du prophète Joël Crasso. Et il a initié ce projet pour la jeunesse des Zaroko. Très bientôt, nous allons entamer les trois autres états qui restent. Voilà, nous sommes présentement sur un état. Et par la grâce de Dieu et par l'aide du prophète, tout se passe bien. Donc je profite pour remercier le prophète pour le geste vis-à-vis de la jeunesse, pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse des Zaroko. En plus de la prière, et en plus de la guérison, en plus de délivrer des sorciers dans le village, il a préféré aider aussi la jeunesse. Et présentement, comme vous le voyez très bien, nous sommes sur le site. Voilà, donc je remercie le prophète. Le prophète Joël Crasso, un homme de Dieu qui a vraiment un grand cœur, qui grâce à lui, ce projet du Gemgem, qui est un projet pilote à l'endroit de cette jeunesse des Zaroko, qui, tant entendu, attendait véritablement le soutien de ces personnes pour sortir de l'état de cette pauvreté. Et grâce au prophète Joël Crasso, aujourd'hui, cette jeunesse bénéficie de son aide. Pour dire, nous lançons un appel à toutes ces personnes et surtout à nos cadres de suivre la voie du prophète Joël Crasso.
et nous le remercions, nous donnons véritablement, nous demandons à ce que Dieu lui donne longue vie pour tous ses bienfaits et pour tout ça, c'est son apport à l'endroit de cette jeunesse du Zaroko. Chers amis du prophète, chers parents, chers amis, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole en ce jour, au nom de mes frères et sœurs, pour formuler nos sincères remerciements à notre papa et à tous ses collaborateurs. Nous ne saurions te remercier jamais assez pour tout ce que tu fais pour nous, pour ton inestimable aide. Que serions-nous devenus si tu n'étais pas ce prophète qui nous croiserait sur notre chemin? Lorsque nous traversions des vallées de l'enfer sous terre et que nous avions pensé ne jamais voir le bout du tunnel, tu as été là pour nous tendre la main, pour nous accorder un toit, nous apporter une affection et réécrire une autre histoire de notre vie d'enfant délaissée, oubliée. Qu'est-ce que fait 2017? Qu'est-ce que fait 2018? Cela fait un an. Un an que tu as tendu ta main salvatrice pour nous sortir de la misère dans laquelle nous étions plongés. Un an que grâce à toi, nous avons maintenant retrouvé la joie d'avoir trois repas par jour et bénéficier d'un sommeil doux et heureux. Un an que tu as cherché les voies et moyens, dégagé de gros sous pour nous loger, nous habiller, nous chausser, nous scolariser tous et entretenir nos encadreurs avec ce dont tu disposes. Un an que tu t'es battu pour obtenir un agrément du gouvernement ivoirien, notre Obenina. Là où certains auraient mis tout leur plusieurs années pour l'obtenir. Nous te félicitons, papa. Avec toi, ce sont les œuvres qui parlent. Tu as toujours été un homme généreux qui aime et comprend la personne en difficulté, qui aime la basse classe. Un homme de Dieu, un grand prophète de Dieu qui applique la parole de Dieu à la lettre. La Bible dit dans le livre de Jacques 1, verset 17, et je cite, « La religion pure et sans tache consiste à visiter les orphelins et les veuves. » Fin de citation. Toi, tu vas au-delà de cette vérité biblique. Tu as jugé bon de nous offrir un toit et de prendre soin de nous. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Amen. Grand homme de Dieu. Quant à vous, les détracteurs de notre papa, vous qui le filmez sur les réseaux sociaux, ne soyez pas fatigués. Mais nous, nous avançons avec papa Joël Crasso. Avec lui, nous avançons sous la direction du Dieu d'Israël, le Tout-Puissant. À toi, papa, prends courage et que le Tout-Puissant Dieu bénisse davantage ton ministère. Je vous remercie. Nous avons d'autres questions et nous avons d'autres informations. Et nous poursuivons toujours avec nos enfants. Je suis né en 2002. Mon histoire commence en 2010. Avant, quand j'étais chez mes parents au village, d'abord c'était ma grand-mère qui s'occupait de moi avec mon papa. Et après, quand mon père était mort, mes parents m'ont laissé. Quand ils m'ont laissé, je vivais dans un lieu où il n'y avait personne. Je ne dormais pas à la maison. Tout le monde m'avait quitté. Et mes amis. Et après, je passais dans une cour et il y a une chef qui m'a vendu. Je suis parti, quand
Mon père est un bon. Ma mère quand il s'est marié dans un autre village. Et quand je vais poser une question, je m'en vais vers elle. Elle me donnait quelque chose dans mon vie. Et après, son mari a constaté que je viens là-bas. Et il a refusé que je... Il m'a dit qu'il m'a interdit de ne plus arriver chez lui. Et un jour, je suis arrivé chez lui. Et puis il est parti encore. Il m'a dit pourquoi je suis parti. Et ça l'a énervé. Il a voulu même me tuer. Et maintenant, quand je me suis réveillé, je me suis dit que si je restais dans le village, je ne vais jamais réussir. Et c'est là que j'ai marché de Poumé jusqu'à Zaroko. Et quand je suis arrivé là-bas, c'est le pasteur chef. Le pasteur Serge qui s'occupait de moi. Et là-bas, les tantes m'envoient, je m'en vais. Elles me disent même de partir les accompagner. Après les achats, je m'en vais. Et après, le prophète, il a demandé au pasteur. Le petit, il est quitté où? Là, le pasteur lui a expliqué. Et après, il m'a appelé au jour. Et il m'a demandé où je suis quitté. Je lui ai dit, il a demandé le nom de mon maman, je lui ai dit. Il m'a demandé que si je fréquente. J'ai dit non, que j'ai arrêté mon école. Ça fait 4 ans que je ne suis plus allé à l'école. Et après, il m'a dit qu'il va m'envoyer à l'orphelinat. Et quand il m'a envoyé ici, enfant d'ailleurs, il n'y avait personne pour jouer avec. Juste à c'est le petit frère de mon papa. Quand il quitte au travail, c'est là, quand il vient, il me donne à manger. Mais quand il s'en va, il peut faire une semaine en bas. Tant qu'il ne vient pas, je ne mange pas. Pendant une semaine. Et après, le petit frère de ma grand-mère, il a dit, comme tout le monde m'a chassé dans le village, il va m'échapper dans le village. Quand il m'envoie à l'orphelinat, il a mis les enfants ici. Quand je vois qu'il y a beaucoup d'amis, il y a beaucoup de soeurs ici, je ne suis plus paniqué. Il y a des femmes qui m'ont joué ensemble, on rit ensemble. D'ailleurs, quand on rit ensemble, je me rappelle où j'étais enfant. Où j'étais, il n'y avait personne à côté de moi. Je pleurais, c'est assez sûr. Et maintenant que je suis ici, je ris avec mes frères et sœurs. Il y a des fois, quand on vient manger, on assis, on raconte les plats, on rit ensemble. On joue au ballon, on regarde la télé. Et c'est le jour où on parle comme on étudie. Quand j'avais 400 ans à l'école, quand le prophète m'a inspiré à l'école adventiste. Premier trimestre, quand je me suis dit que j'avais 4 ans, je ne suis pas allé à l'école. J'ai dit je dois bien travailler et que je ne puisse pas mettre la honte sur le prophète. Et j'ai travaillé, je suis devenu 4e de ma classe. Et aussi, quand on nous a classés, je vais dire, le prophète a payé mon cadeau. Il a fait cadeau à tous mes frères et soeurs. Il m'a fait aussi un cadeau, il m'a encouragé aussi. J'ai fait 4 ans sans aller à l'école. J'ai oublié tout. Même pour lire, je ne pouvais plus. Et là, il nous appelait comme les plus petits. Il ne peut pas, il les laisse pour regarder la télé. Et nous, il nous a appelés au garage pour nous apprendre à lire, pour nous apprendre à réciter les tables de multiplication. Et quand j'étais allé à l'école, le maître a mis la division au tableau. Et il a dit encore, merci les adroits. Comme il a dit, la division, ça se fait avec la table de multiplication. Il a mis les autres qui sont dans la classe. Ils ne connaissaient pas. Et quand moi, il a mis ça au tableau, et je me suis rappelé que
on a fait ça à la maison. Et quand j'ai fait, c'est moi aussi, j'ai trouvé ça dans la classe. Le maître même, il a dit à les autres, vous voyez ce petit, il a fait 4 ans sans aller à l'école. Et aujourd'hui, il vient d'arriver dans cette école. Et il connaît tout plus mieux que vous. Moi, j'étais dépassé. Je ne croyais pas que c'est arrivé ici. Je riais, je jouais. Et quand j'étais chez moi, j'étais seul. Personne ne s'approchait de moi. Personne. Ma grand-mère disait à ma maman qu'elle n'a fait comme si elle n'a pas couché un enfant garçon. J'étais le seul fils, le seul garçon de ma maman. Tous les autres, c'était fini. Le seul garçon, le premier, elle a fait comme si je n'existais plus. Elle a fait comme si je n'existais plus. Aujourd'hui, me voici, j'ai grandi. Je mange matin, midi, soir. Avant, quand c'est quand mon homme était au travail pour venir, c'est là que j'ai mangé. S'il s'en va, il fait une semaine là-bas. C'est dans une semaine que je ne mange pas. Je ne me lave pas. Je n'ai pas d'habit pour porter. Je ne me coiffais pas. Je n'ai pas de chaussures. Et quand je suis arrivé ici, je porte, il y a des habits. À chaque fois, on me donne un habit, les chaussures, je me coiffe. Je me coiffe et je m'habille, je me lave matin, soir et je vais à l'école, j'étudie. Avant, mais je n'étudiais pas. Aujourd'hui, j'étudie, je travaille bien à l'école. Je dis merci au prophète Joël Crasso pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et aussi, j'ai 13 ans, je suis en classe de CM2. Mon histoire a commencé en 2016 où j'ai été initiée à la sorcellerie. J'ai été initiée par ma grand-mère maternelle, sa petite soeur. C'est elle qui m'a initiée à la sorcellerie. Et quand elle m'a initiée, en tout cas, elle a fait que ma vie est devenue misère. Au début, je me disais que bon, la sorcellerie, bon, c'est quelque chose que j'entends. Ben, je vais voir qu'est-ce que ça veut dire en fait. Maintenant, quand je suis rentrée dedans, elle m'a proposé des choses parce que j'aimais beaucoup mon papa. Mon papa, je l'aimais beaucoup. Et elle m'a dit qu'il faut tuer ta maman. J'ai dit, ah, je ne peux pas. On dit que, ah, si tu ne tues pas ta maman, avant de rentrer chez nous, il faut que tu nous donnes quelque chose. Je dis, bon, venez ma maman. Et ils ont pris ma maman, c'est comme ça que je suis devenue confinée de mère. Ils ont gâté le travail de mon papa. Aujourd'hui, mon papa était soldat dans l'armée. Voici sa mère, vous faites. Je peux te montrer. Voici sa mère, vous faites. Voilà. Mon papa était radié de son travail. Aujourd'hui, il souffre. En tout cas, il souffre beaucoup. Et maintenant, on était à Abidjan, mon papa dit que, on appelle mon papa pour dire ta fille est sorcière. Il dit non. Que moi, la fille que j'ai portée dans mes enfants ne peut pas être sorcière. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au village. Quand je me suis retrouvée au village, en tout cas, je faisais des choses, j'étais devenue un poli contre tout le monde. J'avais changé de comportement. Et c'est comme ça que mon papa, je fuyais. On m'envoie dans les camps de prière. Partout, on me voit. On dit que, ah, donne l'argent. Avant qu'on le fasse, elle répond que la fille donne l'argent. Donc partout on dépensait, mais ça ne marchait pas. Et c'est comme ça que je me suis retournée à Ghana dans un temps de prière. Et là-bas, j'ai fait 3 ans dans les chaînes. J'ai été enchaînée 3 ans là-bas. Je ne mangeais pas, je ne me lavais pas. Je peux porter, habit qu'il veut porter là. Peut-être c'est pour l'année qui s'est lancée, c'est ça qui va rester sur moi. Mon papa, quand on appelle mon papa, mon papa dit, celle qui a tué ma femme, là, ce n'est plus ma fille. Que si elle veut même la mourir comme ça, mon père m'avait laissé. Et c'est comme ça qu'un jour, je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a donné cette force-là, j'étais enchaînée et j'ai eu à casser cadenas. Je me suis enfuie. Maintenant, beaucoup, je m'enfuis beaucoup de fois, mais je me dirigeais pas parce qu'il y a un orphelinat à Ghana, je ne me dirigeais pas là-bas. Mais un jour, je me suis levée
Et c'est comme ça que j'ai demandé des renseignements, je me suis retrouvée au corridor des talents. Et c'est comme ça que les policiers m'ont dit que va auprès de l'aide là-bas, ils vont t'aider. Je suis partie et j'ai rencontré un responsable qui m'ont bien accueilli. J'ai rencontré un responsable là-bas. Il m'a demandé qu'est-ce qui se passe. En tout cas, il m'a demandé, j'ai parlé. Et puis, ils m'ont pris pour m'envoyer au village. Maintenant que mon beau village, mon papa était là-bas, comme mon papa ne travaillait plus, il est venu au village pour travailler au champ. Maintenant qu'il est venu, qu'on arrivait, toujours quand mon papa me voyait, de loin qu'on me voit au vitre, il soulève ma chaise en même temps. Il dit, c'est la cesse, c'est votre papa, il va la tuer en même temps. Mais cette fois-ci, il s'est levé, il est venu vers moi, juste qu'il m'a serré, il a commencé à pleurer, tout le monde était là, ne croyait pas. Et on lui a dit que je connais un prophète qui a dit beau. Il s'appelle le prophète Joël Crasso. Mon père dit que prophète, tous les jours prophète. Qu'est-ce qu'il y a dans les endroits partout? On ne peut pas que ça dénonce. Je ne sais pas c'est quel genre de cas là. C'est ça le monsieur a dit que lui qui est là-bas là, lui là c'est 24 heures, une heure c'est fini, ça dénonce. Que si on va là-bas, on peut nous faire la raison. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Divo, je suis venue à Divo avec mon papa. Et quand je suis venue, j'ai vu beaucoup d'hommes sur les bancs. Je suis venue un samedi et le prophète a fait ma délivrance un dimanche. Et c'est comme ça que quand il a fait ma délivrance un dimanche, pendant ma délivrance, il a fini de faire ma délivrance. J'étais là, je portais des habits sales et c'est comme ça qu'il m'a vu. Il a donné de l'argent à mon papa. Et même un prophète comme lui m'a dit de loin comme ça, de prendre mon papa pour monter dans sa voiture. Pour que mon papa, pour qu'on puisse partir, il m'a fait des habits. Il m'a fait des habits pour moi. En tout cas, il a fait tout pour moi. Et c'est comme ça que le prophète a dit, je partais à mon papa, que le prophète a dit, non, je ne vais pas partir avec elle. Elle n'a pas venu rester ici. Que je vais le berger. Quand je suis venue ici, quand j'ai vu les clôtures, je me suis rappelé des trois autres qui restent en chaîne. Et ça m'a traumatisé. Le prophète a appelé, dit non, que ça va aller. Que donnez-lui un bon repas. Qu'il va manger ça. Elle va rester la même. Je mange matin, midi, soir, même à 16h, j'ai goûté. Ce que je ne gagnais pas. Je ne mangeais pas. Ce que je mange, j'ai un dortoir, je mange sur mon lit. Je dors sous mon flatteur. Je abonne. Je commence une nappe par terre. Dans la chaleur, dans la fraîcheur. Mais maintenant là, j'ai un bon flatteur, j'ai tout, je suis à l'aise. Même l'anglais. Il nous enseigne la parole de Dieu. Mais c'est pas la parole de Dieu seulement, il nous donne une éducation, une bonne éducation. Je me disais que j'allais devenir comme ça. Je crois qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi. J'ai dit non, je préfère mourir. Seigneur, viens me prendre. Parce que de la manière je souffre, je me disais que j'allais plus devenir quelqu'un. Et c'est comme ça que je suis venu ici. Mais le prophète m'a scolarisé. C'est pour ça que je dis non. Comment on va dire pas à l'école? Il dit non, il ne peut plus aller à l'école. Parce que la manière c'est devenu, il ne peut plus aller à l'école. Les gens se moquaient de mon village. Les gens me fuyaient, tous mes camarades me fuyaient, même mes parents me fuyaient. Quand on est là ensemble comme ça, je me sens gênée parce que je suis censée être prête parmi mes camarades. Je suis gênée. Quand je suis venue ici, je regarde télé. Avant, mais je ne connaissais même pas les télé, ça là, je connais maintenant. Je regarde télé, je suis à l'aise, je mange matin, midi, soir, je suis en complet. Je veux dire merci au prophète. Tout ce qu'il a fait pour moi. En tout cas, il m'a donné la joie de vivre. Il m'a redonné l'espoir. En tout cas, par son ministère, Dieu est vraiment passé par lui. Et Dieu a redonné la vie à mon âme. Je ne savais pas que j'allais devenir quelqu'un. Et c'est comme ça que me voici aujourd'hui. Mon père m'a donné la vie que tu m'as donnée. Je donne l'information qu'ils ont rappelée. Je ne vais pas commencer avec ça. Quand il passera ici pour moi, on va recréer le contact entre ton papa et toi. Quand ton papa était rappelé dans la rue. Je vais changer cette information ce soir. Je vais donner la vie à mon âme. Je ne sais pas si quelle chanson encore il va chanter. Parce qu'il a redonné la vie à mon âme. Donc, cette chanson, je ne vais pas chanter. Thank you.
changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes âmes. Jésus a changé mon histoire. Récris mon histoire. Jésus a récrit mon histoire. Jésus a récrit mon histoire. Il a essuyé mes âmes. Que la route va boucler.